Bonjour Tiffaine. Bonjour Alors, Olivier. bonjour Olivier. Donc nous sommes les responsables du pôle numérique du CREPS de Montpellier-Font-Romeu. Et donc on profite de notre nouveau jouet, le studio RapidMOOC, pour vous présenter nos missions. Et oui, parce qu'on nous demande beaucoup au CREPS quelles sont nos missions. Et donc Olivier? Surtout à l'externe d'ailleurs. À l'externe. Et donc nos missions, en fait, l'idée principale, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans l'intégration des outils numériques, donc des TIS, à leur pratique d'intervention. C'est-à-dire finalement, aujourd'hui, on fait autre chose que du face-à-face pédagogique. On fait plus uniquement des cours en amphi. On intervient aussi en ligne, soit via les réseaux sociaux, soit via des plateformes e-learning, soit en visioconférence ou sur des classes virtuelles. Des classes virtuelles, et donc il faut scénariser tout ça. Exactement. Alors, Tiffaine, dis-moi. Qu'est-ce que ça peut être la formation et l'accompagnement technico-pédagogique des usagers? Exactement. Eh bien, c'est de pouvoir accompagner ces usagers, ces porteurs de projets, à la prise en main de tous les outils qu'on va pouvoir leur proposer, tels que notre ENT, sur Claroline Collect, sur tous nos outils que nous avons pu tester, et puis bien sûr l'accompagnement en ingénierie pédagogique à la scénarisation, parce qu'on ne passe pas du présentiel au distanciel facilement. Exactement. Donc on est à la production, on conseille, on accompagne, on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on aide les gens à développer des contenus. Bref, que du bonheur. Voilà. Et puis bien sûr, on a fait une énorme veille pour choisir les meilleurs outils. Et puis comme ça nous permet d'expérimenter et puis que chacun puisse prendre l'outil qui lui convient. Voilà. Bienvenue au pôle numérique. Bienvenue.